C'est bon. Collectif de Saint-Étienne, c'est M. Saïdi, Kelaf, formateur professionnel en France. Je suis dans ce collectif-là depuis sa naissance en février 2019. Je vais vous rappeler une action que j'ai menée moi-même récemment, il y a à peine une semaine. Un des nôtres du Hirak, qui est Amir DZ, a été arrêté par les services de la police française à la demande du pouvoir algérien et voulant son extradition. J'ai pris contact directement le jour de son installation avec monsieur le ministre de la Justice française, dont je lui ai fait part de mes craintes de ce qui va arriver à ce compatriote, à ce collègue, à ce hirakiste, si on l'extradait au pays là où la justice n'est pas indépendante. Et heureusement, je le remercie beaucoup. Je suis très fier. Il m'a contacté et je viens de lire qu'il a fait une déclaration dans le bon sens, dans le sens où il rappelle que la justice en France ne fonctionne pas par téléphone comme c'est le cas de la justice en Algérie. Dieu merci pour ça.